bienvenue à tous pour ce premier match, deuxième match de préparation pour Le Havre avec une équipe qui sera emmenée par Gorgelin dans les buts. Une défense à 5 avec Aruna, Sanganté, Salmi et Lloris, Opéry et Casimir, milieu à 3 et Bonoc, Confet, Bentoumi et une attaque emmenée par le centre de formation du Havre avec Élisée Logbo et Steven Gouin. C'est parti donc pour ce deuxième match de préparation après la victoire lors du premier face à une seconde division slovène, victoire 9-2. Le Havre peut enchaîner dans ce trophée des Normands face au Stade Malherbe. Pour laisser les Marines avec Bentoumi, le centre de Bentoumi au premier poteau, il y aura un coup de tête et le deuxième, et voilà le premier but de la partie pour les Ciel et Marines, 1-0 pour Le Havre, même pas 3 minutes de jeu. Et Steven Goura qui continue après un doublé en Slovénie, le premier but de la partie, il est signé par le joueur formé au HAC, Steven Goura, 1-0 pour Le Havre. Marqué par le numéro 13, Steve Ngoura. Diawara qui accélère, Kandé Diawara toujours, le ballon rentré pour Nabil Alioui, la frappe de Nabil Alioui, 2-0 pour les Ciel et Marines, Le Havre 2, Caen 0. La magnifique percussion de la part de Kandé Diawara qui a fait toute la différence et qui a trouvé Nabil Alioui en retrait, plat du pied, efficacité, 2-0 pour Le Havre. Côté droit avec Kandé Diawara qui est en train de faire très très mal à la défense canaise. Kandé Diawara qui rentre sur le pied gauche, il va servir Issa Soumaré, oh oui Issa Soumaré, Issa Soumaré, et 1, et 2, et 3-0 pour les Ciel et Marines. Il est en train de faire très très mal Kandé Diawara sur son côté droit, il a parfaitement trouvé Issa Soumaré, premier but sous les couleurs havraises pour l'ancien de QRM. Nolan Mbemba avec son pied droit qui avait marqué hein, en Slovénie lors du premier match de préparation lors de la victoire 9-2. Une balle de 4-0 pour les hommes de Lucas Elsner. Nolan Mbemba, 74e minute de jeu. C'est parti pour Nolan Mbemba. Bon, ce sera petit filet, pas de 4-0 pour Le Havre. Troisième fois en trois matchs, Le Havre bat le Stade Malherbe Caen. La Normandie est et la Normandie restera Ciel et Marines une nouvelle fois cette saison. Oui, il faut remettre tout ça dans le contexte. Ça reste un match amical, même s'il y a un trophée au bout. Je suis content de ce que les deux équipes ont produit parce qu'on a montré des visages assez complets. On a gardé les qualités défensives qui étaient les nôtres. Même quand on souffre, on arrive à tenir la cage inviolée. Beaucoup de jeunes se sont mis également en avant, même s'ils ont été un petit peu dans le dur dans la préparation. Et puis on trouve une équipe solidaire. Quelques phases de jeu intéressantes. On a le sentiment d'avoir un petit peu progressé dans cet après-midi. Ouais, c'est le fruit de beaucoup de travail acharné. Maintenant, ce n'est pas fini. Je vais continuer à travailler. La prépa, elle vient tout juste de commencer. Donc, on va continuer de travailler pour essayer de rééquilibrer.